Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Nous serons plus forts moralement, nous aurons appris. Et je saurai aussi avec vous en tirer toutes les conséquences. Toutes les conséquences. Alors voilà, si je faisais mon journal filmé, ça pourrait commencer comme ça, à midi. Je pourrais observer ce qui se passe de ma fenêtre, maintenant qu'il ne faut plus sortir. Il y a encore des gens dehors. Je repense au film de Juste Philippot. Acide, ce sont des gens qui se cachent, qui essayent d'éviter les pluies acides. Quand on est touché par la pluie, on meurt. Et là, parfois, quand on est touché par le virus, on meurt. C'est vrai que c'est plus calme pour ce deuxième jour. Journal confiné. Il y a un tout petit peu de voitures, deux vélos qui viennent de passer. Ce qu'on constate, c'est que on entend plus les oiseaux. C'est bizarre parce que on s'attendrait plutôt à ce qu'il fasse froid, à ce qu'il pleuve. On s'attendait pas à vivre ça au moment du printemps. Le printemps, c'est la renaissance. Tout va bien au printemps. Ça efface tout le reste. Bon, et bien pourtant, nous y sommes. Voilà, la rue est calme. Pas de bol, je me réveille avec une pharyngite. Pas de bol, j'ai réussi à joindre le cabinet médical de mon médecin en demandant si, malgré tout, il consultait. Oui, oui, il consulte. Mais il n'y a plus d'outils informatiques. Donc, plus de prise de rendez-vous. Ça tient à ça. Bon, on a de la chance. On entend donc les oiseaux et quelques voitures. On a de la chance parce que on ne souffre pas de la peste de l'insomnie ou la peste de l'oubli, comme chez Gabriel Garcia Marquez dans Cent ans de solitude. En gros, jusqu'ici, tout va bien. On entend vraiment bien les oiseaux. Aujourd'hui, je flippe. C'est le troisième jour et je flippe. Je flippe parce que je dois aller chez le médecin. Normalement, on va chez le médecin pour être rassuré. Mais là, je me dis que, en allant chez le médecin, c'est le meilleur endroit pour prendre le risque d'attraper le virus. Pourtant, il faut vraiment que j'y aille. J'ai vraiment la gorge en feu. Ça risquerait de se développer, d'aller un petit peu plus loin, se transformer en bronchite ou je sais pas quoi. Alors je flippe. Je veux dire, je flippe vraiment. J'ai changé de fenêtre pour le journal confiné. Changement de point de vue. Aujourd'hui, je vis à crédit. Plus de ressources. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Est-ce que ça me rend plus légitime pour faire ce journal confiné? J'en sais rien. Je sais juste que chacun fait comme il peut. Aujourd'hui, je me suis levé de bonne heure. Pour travailler, pour penser. Ce matin, tout va bien. Je n'ai finalement qu'une angine. Pourvu que ça dure. J'attends les applaudissements. Il va être 20h. Je sais, c'est dérisoire. Je sais, c'est pas grand-chose. Mais c'est...
C'est un nouveau rituel qui s'est mis en place. Un petit truc tout simple, un truc auquel se raccrocher dans la journée. Ah, ça y est, les premiers, en face. Hier, on s'envoyait des applaudissements. Oui, on n'a plus la notion du temps. Alors là, tout à coup, on sait qu'il est 20h. Et ça gronde, depuis quelques jours, ça gronde de plus en plus fort. C'est symbolique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. C'est le cinquième jour de confinement. Aujourd'hui, je compte les fenêtres d'en face. Tout ira bien. C'est le sixième jour du confinement. Ça fait un peu comme six dimanches de suite. On devrait trouver ça plutôt bien. Moi, plein de fois, j'ai rêvé de passer la journée entière sans rien faire. Passer la journée entière à faire l'amour. Et enchaîner les jours comme ça. Bon, alors là, le problème, c'est que je suis tout seul. Je crois que ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on a peur, surtout. On a cette angoisse. On a peur de l'attraper. Alors pour certains, il faut déjouer cette peur. Il faut conjurer le mauvais sort. Alors c'est la fête, encore. Sortir, toujours. Braver. Tout à l'heure, j'ai vu un homme courir pieds nus dans la rue. J'avais jamais vu ça ici encore. 2 fric. Du fric pour l'hôpital public, de l'argent pour tous les soignants. Voilà ce qu'il faut maintenant. Aujourd'hui, je n'ai rien à dire. Alors il est grand temps de réapprendre à se taire et laisser parler le silence. Qu'est-ce que je dors ? Mais qu'est-ce que je dors ? Si ça continue comme ça, je risque de ne plus me réveiller d'ici la fin du confinement. Je me demande à partir de quand cette impossibilité de toucher l'autre devient insupportable. Il y a les confinés à distance. C'est notre cas, nous. Chacun de son côté. Alors comment on fait ? Je veux dire, on a l'habitude. Ça arrive, ça nous arrive souvent. La nuance, là, c'est qu'on ne sait pas quand sera la prochaine fois. Et elle semble repousser jour après jour, semaine après semaine, annonce après annonce. Alors, à partir de quand ça devient vraiment insupportable ? Et c'était donc le Covid-19, voilà. Ça voilà, se passe dans ma rue. Donc, qui se serait manifesté à temps, ben, ça ne serait pas arrivé, tout ça. En bas de chez moi. Elle est en train de faire un débat qu'elle s'était manifestée. Voilà. La rumeur. Il poussait, il avait une forte fièvre. Tous les symptômes, quoi. Oui, voilà. La vérité. Oui, voilà, ils n'ont même pas fait de test, rien, vas-y. Qui a tort ? Et elle a alerté justement les services sanitaires et tout ça. Et puis, ils ont fait des aveux. Qui a raison ? Vous voyez comment c'est. C'est la France, hein. Je ne sais plus.